Créer sa marque n'est pas une activité annexe, c'est une activité entrepreneuriale à temps complet. Pourquoi ? J'en ai marre d'entendre que créer sa marque, c'est parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, on veut gagner un petit peu d'argent comme ça sur le côté, on sait coudre, alors on imagine qu'on va coudre des vêtements. Eh bien non ! Non, 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 je ne suis pas d'accord. On peut démarrer en étant salarié et du coup pour venir vers cette activité-là, on peut avoir deux activités en même temps au début, mais après, non, 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 c'est pas une activité annexe, vraiment. C'est vraiment un boulot à temps plein, à temps plein. On y passe toutes ses journées entre savoir quels vêtements on veut faire, les créer, les vendre, faire le marketing. Il y a tellement de choses que c'est impossible de faire ça en activité annexe. Sinon, bah, vous allez complètement vous planter et vous pouvez être sûr que là, la peur de se planter, elle va être là puisque vous allez attirer ça directement à vous. Alors, comment on fait pour eh bien, passer d'une activité à une autre pour faire ce qu'on appelle une reconversion professionnelle, tout comme moi je l'ai fait? Eh bien, c'est simple, on va se mettre des objectifs courts et réalisables pour eh bien, monter la petite échelle, vous voyez, pas après pas. Et donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai tellement de trucs à dire que j'organise une conférence ce jeudi 12 mai à 20h. Et donc vous pouvez vous inscrire en cliquant dans ma bio ou juste en dessous de cette vidéo pour eh bien, vous y inscrire. Et vous allez voir, je vais vous partager plein d'astuces pour eh bien, passer d'une marque personnelle à une marque vraiment professionnelle qui cartonne.